Nous sommes en France, en Dordogne, des villages anciens, une nature intacte. Dans les années 80, de grands maîtres du bouddhisme tibétain ont choisi de vivre ici et d'y créer des monastères. Nous rendons visite à Mathieu Ricard, qui est ici pour quelques jours. Une petite maison dans la forêt, presque un ermitage. Mathieu Ricard est moine bouddhiste de la tradition tibétaine. Depuis 30 ans, il vit dans les pays himalayens. Il est français et de formation biologiste. Il est aujourd'hui l'un des grands experts du bouddhisme qui connaissent en même temps la culture occidentale, en particulier le monde des sciences. Mathieu Ricard nous parlera de la recherche du bonheur. Nous sommes au Népal, à Katmandou, la capitale du petit état himalayen. Le merveilleux stupa de Bodhnath, monument sacré bouddhique. Tout près, le monastère de Sechen. C'est un monastère de la tradition Nyima du bouddhisme tibétain. C'est ici que vit Mathieu Ricard. Des moines se préparent à des enseignements du vénérable Trulchik Rinpoche qui est considéré comme l'un des grands maîtres vivants. Les visages de quelques grands maîtres qui avaient fui le Tibet, vus dans de célèbres documentaires d'Arnaud Desjardins, poussèrent Mathieu Ricard à se rendre dans l'Inde du Nord. Kangyu Rinpoche fut son premier maître. À sa mort, il devint disciple de Dilgo Khyentse Rinpoche, l'un des plus grands maîtres du siècle passé, vu ici par Mathieu Ricard, qui est aussi un excellent photographe. Maître et disciple, un rapport fondamental pour le développement de l'esprit. Le pèlerinage de Dilgo Khyentse Rinpoche au Tibet dans les splendides photos de Mathieu Ricard. Sa sainteté le Dalai Lama, chef du bouddhisme tibétain et prix Nobel pour la paix. Mathieu Ricard est le traducteur de sa sainteté du tibétain au français.
Mathieu Ricard est l'auteur du best-seller Le moine et le philosophe, un dialogue avec son père, le philosophe Jean-François Revel, et d'un livre sur les rapports entre bouddhisme et science avec l'astrophysicien Tuan. Un troisième livre est consacré au bonheur, sujet mal compris et souvent confondu avec le plaisir. Dans un DVD, Mathieu Ricard parle de sa rencontre avec le bouddhisme, de ses maîtres, des rapports entre le bouddhisme et l'Occident, et le bouddhisme et la science. Mathieu Ricard est le responsable de plusieurs projets d'aide au Tibet. Des écoles, des hôpitaux, des centres pour personnes âgées ont été bâtis. Un pont, une autre réalisation. À Katmandou, un hôpital accueille chaque année des milliers de pauvres. Mathieu Ricard s'occupe aussi de la sauvegarde et de la traduction de textes tibétains. Il a aussi publié plusieurs livres de photographies sur le Tibet. Nous voilà de retour en Dordogne. Mathieu Ricard va nous parler maintenant du bouddhisme et du bonheur. Le chemin de l'éveil a comme but, évidemment, l'éveil qui est le but suprême. Mais le long de ce chemin, on peut atteindre déjà un certain bonheur. Quel est le rapport entre éveil et bonheur, pour commencer? C'est le rapport entre un bienfait immédiat ou temporaire et un bienfait ultime. Donc, disons, le bonheur ou le bien-être, il y a toutes sortes de niveaux. Le bonheur, tout d'abord, n'est pas simplement un état de plaisir, c'est un état d'être. On l'a défini comme un état d'être exceptionnellement sain ou optimal qui perdure en fait au travers de tous les hauts et les bas de l'existence, qui a la force et la capacité de gérer en fait tout ce qui croise notre chemin. Donc il y a un véritable état d'être de bien-être intérieur et forcément lié à toutes sortes d'autres qualités. Comme la sagesse, l'ouverture d'esprit, la force intérieure, la sérénité, l'altruisme, toutes sortes, un ensemble de qualités qui sont nécessaires à cet état d'être et qui le caractérisent. Donc, on peut développer toutes sortes de niveaux. Et si l'on pense que l'ennemi principal de ce bonheur authentique, ce sont les toxines mentales, ce n'est pas les circonstances extérieures défavorables, parce qu'on sait très bien que quelqu'un qui a cet état d'être, il peut le maintenir aussi bien dans l'adversité que lorsque tout lui sourit. Donc c'est un état d'être intérieur. Son ennemi principal, ce sont les toxines mentales, c'est-à-dire principalement l'ignorance, le désir obsessif et la malveillance ou la haine, qui vont totalement oblitérer, détruire, ce bien-être. Donc c'est l'antagonisme immédiat du bien-être. Donc le moins on est l'esclave de ces toxines mentales, le plus elles sont purifiées, le plus notre bonheur devient profond, vaste et stable. Donc on voit très bien qu'il y a toutes sortes de gradations et que déjà c'est jamais tout ou rien. On n'est jamais soit absolument malheureux, soit brusquement atteint à l'éveil, on est complètement heureux. C'est comme si vous parcourez un chemin, eh bien, si vous avez marché 10 heures, vous avez progressé de temps,
vers votre but. C'est pas... Il y a déjà des avantages évidents. Si à chaque vallée, à chaque col que l'on passe, si la vallée est de plus en plus belle, et donc si vous avez traversé 3 cols, 10 cols, 100 cols, vous arrivez dans des vallées ou dans des contrées qui sont de plus en plus belles, de plus en plus prospères, de plus en plus... Et donc, à chaque fois, c'est un bienfait supplémentaire. Maintenant, les gens disent le bonheur, c'est pas tout. Effectivement, en fait, c'est un mot pour désigner un effacement progressif de l'ignorance, qui est à la source de toute souffrance, donc la cause de la souffrance, et de la souffrance elle-même, qui est le résultat de l'ignorance et des toxines mentales. Alors, la souffrance peut être considérée de deux points de vue, les causes de la souffrance et la souffrance manifeste. Les causes de la souffrance ne sont pas évidentes, comme un mal de dents. L'ignorance, ou même parfois le désir obsessif, n'est pas immédiatement perçu comme de la souffrance, et pourtant il est cause de souffrance. Donc, le seul et unique véritable bonheur authentique, on ne peut même plus l'appeler bonheur, il est au-delà des notions de bonheur et de souffrance, c'est la totale élimination de ces toxines mentales et de l'ignorance qui est à la source de ces toxines mentales. Donc c'est ce qu'on appelle l'éveil, c'est ce qu'on appelle la bouddhéité. D'ailleurs en tibétain, le mot qui désigne le Bouddha, Sanggye, Sang, ça veut dire celui qui a dissipé, purifié, éliminé tous les voiles, tous les obstacles, tous les aspects, les voiles qui naissent des émotions perturbatrices, les voiles qui naissent, qui masquent le connaissable, c'est-à-dire la nature des choses et la multiplicité des choses, donc tous les aspects de la connaissance. Ce voile est éliminé, ces voiles sont éliminées, et donc ça c'est pour Sang, la première syllabe, la deuxième syllabe, Gye, cela veut dire que tout ce qui est à développer a été développé. Donc c'est l'état, le point culminant de la purification et de l'épanouissement. Donc c'est pour ça que l'image qui est donnée, c'est les ténèbres de l'ignorance et de la souffrance sont dissipées et la fleur des qualités est parfaitement épanouie. Donc ça c'est le bonheur ultime, mais c'est même plus le bonheur, c'est un état de réalisation, de connaissance parfaite, de liberté parfaite, mais dans la mesure où sur le chemin, on peut vivre des éléments d'un bonheur authentique, c'est uniquement quand ils sont en harmonie avec ce but. C'est-à-dire que vous n'aurez jamais un bonheur authentique qui va à l'encontre du but ultime de la bouddhéité. Par exemple, une des manifestations naturelles de la bouddhéité, c'est une compassion omniprésente, inconditionnelle. Donc c'est une qualité de la bouddhéité. Donc cela veut dire aussi que c'est associé au bonheur ultime, que quelque chose qui ira à l'encontre de ça, c'est-à-dire les préoccupations égocentriques, la malveillance, non seulement feront obstacle à l'atteinte de la bouddhéité ultime, mais aussi dans le bonheur présent qui est un rêve qui doit être en harmonie avec ce qu'il va devenir, c'est-à-dire l'éveil. Ça veut dire donc, clairement, que l'égocentrisme, la malveillance, la haine, etc., sont des ennemis du bonheur dans le présent comme dans le futur. Donc il y a quand même un rapport entre le bonheur sur la voie, ou le bien-être, ou en étant donc encore une fois un état d'esprit exceptionnellement sain, santé, sain dans le sens de en bonne santé, et un fonctionnement optimal de l'être humain et un épanouissement des valeurs humaines. Cet épanouissement doit être une sorte d'image moins brillante, moins vaste, moins claire, mais déjà refléter les qualités du fruit. Donc on peut dire que déjà, au moment de la voie, on commence déjà à utiliser ou à intégrer les qualités du fruit, c'est-à-dire de la bouddhéité, au moment de pratiquer. Donc il y a déjà comme un reflet, on donne l'image du reflet de la lune dans l'eau. Donc le bonheur que l'on peut vivre maintenant, ce n'est pas la lune véritable, mais c'est déjà, elle lui ressemble bien. Bien sûr, c'est pas comparable en clarté, en stabilité, parce que, par exemple, le reflet dans la lune, dans l'eau, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir le vent, des pensées errantes, des toxines mentales dont on n'est pas complètement débarrassé. Qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont agiter la surface de l'eau, donc la lune ne sera plus claire, donc on va perdre momentanément une connaissance juste, la sagesse, et on va perdre aussi l'espérance du bonheur. Donc, est encore vulnérable à l'ignorance et à l'influence des émotions perturbatrices.
la lune véritable, il peut y avoir du vent, il peut y avoir tout ce qu'on veut, même des nuages, pour ceux qui ne la voient pas, mais elle, elle brille toujours de la même façon. Bonheur, plaisir, renoncement. De quelle façon faut-il vivre? On ne peut pas quand même renoncer à toute chose. Alors, le renoncement est certainement l'un des concepts les moins bien compris, et je crois que c'est un problème de traduction. Parce que, en fait, le mot tibétain est très clair et ne laisse place à aucune... ne laisse place à aucune mésentente, à savoir... Nyejong. Nye, ça veut dire ce qui est certain. La certitude. Jong, ça veut dire sortir de, s'extirper de. Donc, la renonciation, c'est de, à tout prix, avoir la détermination farouche qu'on va sortir. Sortir de quoi? Sortir de la souffrance. Donc, on ne renonce pas à ce qui est beau, bon, bienfaisant, gratifiant, épanouissant, etc. On renonce aux causes de la souffrance. Donc ça, qui voudrait conserver les causes de la souffrance. Simplement, pour cela, il y a une hiérarchie à faire dans notre existence. Il y a des choses qui ne contribuent pas au bien-être, des choses qui renforcent le mal-être. Et la renonciation, c'est ça, c'est faire le ménage. C'est avoir la sagesse et l'intelligence suffisante pour distinguer ce qui va conduire, qui va renforcer notre souffrance ou la perpétuer, et ce qui va au contraire permettre au bien-être de s'épanouir. Donc le renoncement, c'est en fait éliminer ou écarter tout, comme on fait par exemple, un paysan qui va planter son champ. Il va regarder s'il a un paquet de graines et qu'il voit qu'il y a des graines de poison, de plantes empoisonnées et puis des graines de blé, ben avant de planter, il va commencer par renoncer aux graines des plantes empoisonnées. Il va par contre planter le blé, le riz, l'orge, tout ce qu'il veut. Et donc c'est ça le renoncement, c'est éliminer les causes de la souffrance. Donc ce n'est pas du tout se priver de ce qui est bon, c'est éviter ce qui va immanquablement traduire par de la souffrance. Alors maintenant, bonheur, plaisir, c'est une confusion qu'on fait souvent. Et c'est deux concepts qui sont presque indépendants l'un de l'autre. Le plaisir peut parfois contribuer au bonheur, il peut parfois le détruire. Tout simplement parce que c'est une nature différente. Le plaisir par nature est éphémère. Les plaisirs ne durent pas indéfiniment. C'est une expérience, c'est une sensation de plaisir. Une sensation que l'on juge agréable dans le moment. En plus, elle dépend des circonstances, c'est-à-dire du lieu, des objets, du temps. Le plaisir s'émousse avec le temps, c'est bien connu, il y a un élément de fatigue. Même la plus belle fugue de Bach, si vous vraiment elle vous ravit l'esprit, vous pouvez l'écouter, je ne sais pas, 3, 4, 5 fois de suite, 24 heures sans arrêt, je veux dire, même si c'est votre morceau de musique préféré, je pense qu'à un moment donné, vous êtes fatigué. Un gâteau à la crème, deux gâteaux à la crème, trois gâteaux à la crème, on passe du délice à l'état neutre, à la satiété et puis à l'écœurement. Donc le plaisir se transforme rapidement en état neutre et parfois en sentiment de répulsion. Il se consume donc à mesure qu'on en fait l'expérience. En plus, le plaisir n'irradie pas vers autrui. Il n'est pas forcément et toujours perçu justement comme quelque chose de bienfaisant par autrui. On peut prendre du plaisir sur la souffrance des autres. On peut prendre du plaisir tout seul sans que personne, ça ne fasse ni chaud ni froid à personne. Si on regarde maintenant l'état de bien-être véritable, c'est quelque chose qui au contraire est renforcé par l'expérience. Le plus vous avez compris les raisons d'être et les causes fondamentales du bonheur authentique, c'est-à-dire la sagesse, l'altruisme, la patience, la bienveillance, etc., le plus ces qualités vont continuer à croître, et donc le plus vous en êtes conscient, le plus elles vont augmenter. Donc on peut dire que le contraire du plaisir, le plus vous en usez, le plus il s'épanouit. Une fois que c'est un état d'être, il n'a plus de raison d'être dépendant ou si vulnérable au lieu, au temps, aux circonstances, aux objets, c'est un état d'être. Donc, quelles que soient les circonstances auxquelles vous allez être confronté, il est là, prêt à faire face à ces circonstances.
De plus, le véritable bien-être comme état d'être, il a une caractéristique qui est justement d'irradier vers les autres. Parce que quelqu'un qui est compassionné, quelqu'un qui est bienveillant, quelqu'un qui est en paix avec lui-même, quelqu'un qui a une grande liberté intérieure, quelqu'un qui a une grande patience, une grande résilience, et bien naturellement, les autres vont le percevoir comme tel. Et donc, c'est quelque chose qui, le philosophe français Alain disait, le plus grand cadeau que vous pouvez faire aux autres, c'est d'être heureux vous-même. Parce que ce bonheur, il y a une sorte de contagion émotionnelle, de contagion d'état d'être. Et c'est pour ça qu'on se sent bien avec un sage ou avec quelqu'un qui, à la fois, unit la sagesse et la compassion, c'est-à-dire, encore une fois, le bonheur ultime, le vrai. Donc, ce n'est pas une question de morale, mais c'est une question de la nature humaine, au fond. Ça dépend ce qu'on entend par morale. C'est pour le bouddhisme, l'éthique est une science du bonheur. Parce que un acte éthique ne peut l'être que si notre motivation est correcte, c'est-à-dire s'il y a une motivation altruiste. On ne peut pas juger les actes sur leur aspect. Un acte peut sembler violent. Par exemple, une mère qui pousse son enfant violemment, et si on ne voit pas qu'il était sur le point d'être écrasé par une voiture, on peut se dire, pourquoi est-ce que cette mère, même si cet enfant risque de se casser le poignet, par exemple, pourquoi a-t-elle fait ça? Et si on voit que pour le sauver la vie, l'acte semblait violent, il ne l'est pas, en réalité. Le contraire, quelqu'un vient, vous fait des grands sourires, il fait vos louanges, il est tout gentil et tout, son seule idée c'est de vous escroquer et de vous faucher votre carte de crédit. Son comportement est non violent en apparence, il est violent quant à son but qui est de nuire. Donc l'éthique, on ne peut pas aussi juger de façon dogmatique le bien et le mal, parce que hors de contexte de l'expérience vécue, comment dire si mentir est bien ou mal? Si c'est mentir pour sauver la vie à quelqu'un parce qu'il y a un meurtrier qui le poursuit, je veux dire, c'est évident que c'est bien. Si c'est mentir pour s'approprier les biens d'autrui, ça nuit. Donc c'est mal dans le sens, non pas absolu, mais c'est bien parce que ça, le premier mensonge est bon parce qu'il y a moins de souffrance et que la motivation est altruiste. Le deuxième mensonge est négatif parce qu'il augmente la souffrance des autres et la motivation est égocentrique. Donc on ne peut pas toujours prévoir et contrôler, encore qu'on peut essayer de le faire au mieux de nos capacités intellectuelles, mais on ne peut pas toujours prévoir et contrôler les conséquences à court et à long terme de nos actes. Mais ce qu'on peut toujours contrôler, qu'on soit intelligent ou stupide, c'est la motivation. Même la personne la moins éduquée, la moins intelligente, a cette idée si elle veut faire du bien ou si elle veut faire du tort. Ça, je crois que tout être conscient, ou alors justement, il n'est plus responsable de ses actes. C'est un fou, quelqu'un qui n'a plus sa raison, c'est hors du champ de ses préoccupations, faire du bien, faire du mal, il ne sait pas. Donc à partir du moment où on a la possibilité d'être altruiste ou égoïste, l'éthique est claire et définie. Il n'y a pas besoin de se creuser la tête sur des dogmes et des cas idéalisés. Donc c'est une éthique qu'on appelle situationnelle, c'est-à-dire qu'elle prend en compte chaque situation vécue et chaque situation humaine. Si nous avons une motivation altruiste, quelle peut être, dans la mesure de nos connaissances, la meilleure conduite à suivre pour qu'il y ait moins de souffrance et plus de bien-être. C'est ça qui définit un acte éthique. Si c'est le contraire, si on se dit, bon, c'est pas grave, moi ce que je veux c'est avoir un peu de bien-être pour moi, je m'en fiche si ça fait souffrir les autres, on considérera que c'est un acte non éthique. Donc en fait, il y a deux aspects à l'acte éthique. D'abord, réfléchir et vérifier notre motivation, et engendrer une motivation altruiste qui doit imprégner toutes nos décisions, tous nos actes, toutes nos paroles, toutes nos pensées. Mais parfois, aussi on est confronté à l'action spontanée. Il y a quelque chose qui se présente, et alors là, comment va-t-on agir? Là, ça va dépendre de notre état d'être. On n'a peut-être pas le temps de réfléchir beaucoup. Et c'est là où une composante fondamentale de l'éthique, c'est de devenir une meilleure être humain. Et c'est la meilleure façon de faire. Parce que quand on est confronté à des situations immédiates, comment est-ce qu'on va réagir? En fonction du degré d'altruisme qu'on a déjà développé. Là, il ne s'agit pas de peser le pour et le contre pendant une demi-heure. C'est-à-dire, si je fais ça, c'est plutôt plus altruiste, si je fais ça, c'est plutôt plus égocentrique, etc.
Il y a un moment donné où, spontanément, on voit quelqu'un qui tombe à l'eau, presque tout le monde ira le chercher. Ça veut dire qu'il y a cet altruisme qui est quand même présent en chaque être. Mais si on l'a développé beaucoup plus, à un degré beaucoup plus vaste, non seulement quand quelqu'un tombe à l'eau, mais dans toutes les circonstances de la vie, qui ne sont pas aussi dramatiques que de voir quelqu'un tomber à l'eau, spontanément, confronté à des situations et à des personnes diverses, on agira justement par la force de l'altruisme. Même par exemple, quand quelqu'un, par exemple, justement, ce qui est plus difficile que d'aller secourir quelqu'un qui tombe à l'eau, quand quelqu'un se comporte de façon désagréable avec nous, là, c'est pas aussi évident d'aller à son secours que d'aller chercher quelqu'un qui est tombé à l'eau. Néanmoins, un altruiste vrai ira d'une façon, certaine façon, au secours de la personne qui l'insulte, parce que elle saura ne pas présenter la cible de l'ego et de sentiment de l'importance de soi qui va être blessé par cette insulte, donc il va laisser ça de côté. Il va simplement voir que cette personne est tourmentée, malade, traverse une période difficile, ou simplement est sous l'influence, est sauvage, son esprit est sauvage parce qu'il est sous l'influence des toxines mentales, et donc il va continuer à aller au secours de cette personne avec l'œil d'un médecin. Un médecin qui voit un fou ou un malade, si c'est un fou, même s'il est dangereux, le médecin va peut-être le calmer d'une façon ou d'une autre, parce qu'il faut l'attacher momentanément, il ne va pas commencer à taper dessus avec un bâton. Ça n'irait pas pour un médecin. Donc, là, l'éthique va naître d'un état d'être, et qui, à chaque fois, s'exprime spontanément. D'où la nécessité de développer les qualités humaines pour avoir une conduite éthique spontanément. Donc, il y a la motivation quand on a le temps d'y réfléchir et de la vérifier, mais aussi une motivation générale qui reflète la dimension de l'altruisme que nous avons su développer jusqu'à maintenant. Donc, une chose fondamentale est la présence mentale, c'est-à-dire d'observer continuellement nos émotions et de devenir le capitaine du bateau, si on veut. Effectivement, la maîtrise de l'esprit et l'attention, la vigilance, encore une fois, c'est un peu le même genre d'incompréhension pour le renoncement. On pense que la maîtrise de l'esprit, c'est... on va serrer la vis à notre esprit en permanence. Alors, c'est pas du tout ça. La maîtrise de l'esprit, c'est justement de ne pas être le jouet de toutes les pensées qui traversent dans un sens, qui traversent dans l'autre, qui nous emmènent ici, qui nous emmènent là, un peu comme les herbes à la surface d'un col, ou pour donner l'exemple d'être maître de son propre navire. La maîtrise de l'esprit, ce n'est pas s'asseoir dans le bateau et dire « Ah, je suis libre ». Laissons le bateau dériver ici, dériver là, selon les vents, les courants. Ce n'est pas être maître de quoi que ce soit, ça n'arrive à rien. La maîtrise, c'est de prendre la barre du bateau et de naviguer dans la direction qu'on a choisie. Donc la maîtrise, c'est la liberté. C'est la liberté de naviguer dans la direction qu'on a décidée. C'est ça la maîtrise, ce n'est pas de se contraindre de quoi que ce soit, c'est au lieu de dériver toute notre vie, c'est de choisir de quelle façon on veut se développer, de quelle façon on veut s'épanouir, qu'est-ce qu'on veut faire par rapport au monde, qu'est-ce qu'on veut faire par rapport aux êtres, et donc c'est d'aller dans une direction choisie. De quelle façon peut-on développer l'observation? Parce que l'observation est liée aux expériences, aux chagrins, à nos désirs, etc. Oui, mais en fait, souvent, on n'est même pas conscient de ça. On est conscient uniquement de l'extérieur. On n'observe pas. Qui passe du temps à observer son propre esprit? C'est très rare. Que les choses ne vont pas, on est là à regarder à l'extérieur. On dit, ah, je vais faire quelque chose pour me faire plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on va aller? On va aller acheter une glace, on va aller au cinéma, on va aller se promener. Tout ça, c'est toujours... Où est-ce que je pourrais trouver quelque chose d'agréable? Quand les choses vont mal, qu'est-ce que je pourrais faire? On va réparer ça, on va bricoler à droite à gauche. Jamais, ou très rarement, disons, c'est pas ce qu'on fait spontanément, bien sûr, ça, on le fait, mais
un peu quand on est forcé, je dirais, quand on est catastrophé, quand tout va mal, on se dit, ah, comme on dit, on fait un bilan, comme on dit, bilan, ça, on commence à regarder ce qui se passe en soi, réévaluer son existence, la crise des 40 ans et tout ça. Pourquoi est-ce que, en fait, c'est quelque chose qu'on devrait faire à chaque instant, au lieu de regarder à l'extérieur, regarder à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe en mon esprit? Pourquoi est-ce que je suis mal à l'aise? Pourquoi est-ce que je me sens minable parce que quelqu'un m'a insulté? Pourquoi est-ce que je me sens agressif parce que, une autre possibilité de réaction, parce que cette personne m'a insulté injustement? Regardez comment fonctionne l'esprit. C'est comme ça que ça commence. Après, quand c'est en ébullition partout, eh ben on est, comme on dit, on a perdu le contrôle de soi-même. Hein, mais à un moment donné, il y a quand même un moment donné où ça commence. Hein, qu'on se dit, ah, ça, il m'a fait du tort. Ou, oh, il ne me considère pas bien. Ou, oh, il a été injuste. Donc, il y a cette petite pensée qui commence. Et si on n'est pas vigilant, elle va se multiplier. Et puis, soit on est là déprimé, soit on est là à vouloir se venger à droite et à gauche. Donc, la vigilance, c'est simplement de regarder et de dire, oh, mais bien sûr. En fait, il y a peut-être d'autres raisons. Ou, enfin, de toute façon, quoi qu'il en soit, de ne pas être vigilant du moment où cette penchée, l'enchaînement va commencer. Pour simplement dire, bon, ben, c'est pas la peine, je tiens pas, j'ai aucun avantage à être envahi par la haine ou par la dépression. Donc reconnaissons ce germe et puis laissons-le se défaire avant que cette étincelle est très facile de l'éteindre avant que ça fasse que toute la maison soit en feu. Donc c'est ça la vigilance, c'est de regarder à l'intérieur et d'être attentif, en fait, de séparer l'émotion et la personne, c'est-à-dire la haine, ben c'est plus moi et la haine sont un, je suis la haine, c'est la haine, oh, regardons la haine, comment est-elle? Pourquoi est-ce que je deviendrais l'esclave de cette pensée? En fait, quel pouvoir a-t-elle sur moi? Est-ce qu'elle a le pouvoir d'un général qui va me donner des ordres? Est-ce que c'est un feu qui brûle? Est-ce que c'est une pierre qui m'écrase? Pourquoi est-ce que... Pour quelle raison est-ce que j'accepterais d'être complètement sous l'empire de cette haine? En plus, elle va ne faire que m'affliger et me faire me comporter de façon totalement nuisible à l'égard d'autrui. Oh ben alors, laissons-la partir, laissons-la mourir de faim en ne l'entretenant pas, en disant « Ah oui, 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 il m'a fait du tort, donc ça on le donne à manger, on lui donne encore un bon gâteau au chocolat, c'est insupportable !» La haine commence à prendre de la force, des vitamines. C'est injuste. La haine encore se grandit et grandit. Donc on lui donne tout ce qu'il faut pour que finalement, elle prenne la position de seigneur à notre esprit. Alors que si on la regarde simplement, on la regarde et on donne une image dans le bouddhisme, si simplement on la regarde, on la contemple et on voit qu'il n'y a aucune raison qu'elle nous domine, c'est qu'elle fond comme la gelée blanche fond au soleil le matin. Donc elle disparaîtra. Donc la vigilance est indispensable pour que ce processus se produise. Parce que sinon, ça ne cessera pas d'elle-même et il y a un processus d'autocombustion qui va se produire. Et donc la haine va finir par nous envahir. Vous avez parlé de égocentrisme. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que on s'imagine que notre moi est une sorte d'entité isolée, permanente, autonome, unitaire, qui caractérise le cœur même de notre être. Alors, si c'était le cas, évidemment, vouloir s'en débarrasser, ça serait tout à fait malsain. Ça serait comme de tirer le cœur de notre poitrine. Simplement aussi, on tient pour acquis que cette perception générale d'un moi unitaire et autonome et permanent est là, et on n'a jamais pris la peine de l'examiner. Et en même temps, on peut déjà voir les conséquences d'un sentiment exacerbé de l'importance de soi, c'est justement cette vulnérabilité aux circonstances extérieures, aux toxines mentales. Qu'est-ce que c'est que la jalousie? Qu'est-ce qui est touché dans la jalousie? Si on était content que les gens soient heureux, on ne serait pas jaloux. Qu'est-ce qui est touché? Le sentiment de l'importance de soi. Pourquoi pas moi? Pourquoi un autre et pas moi? C'est ça la jalousie. Donc, qu'est-ce qui est touché là? Le sentiment de l'importance de soi.
il m'a fait quelque chose d'injuste. C'est quoi? C'est peut-être pas d'ailleurs, mais c'est le moi qui a été touché. Une insulte, c'est le moi qui est touché. Le désir insatiable, c'est le moi qui est touché. Ce sentiment de l'importance de soi. Il faut que je sois satisfait à tout prix. Donc déjà, on voit bien que ce moi, qu'il existe ou non, est au cœur de beaucoup de nos tourments. Donc en plus, si c'est une imposture, on aura tout intérêt à essayer de voir ce qu'il en est. Donc s'il est le fauteur de tous les troubles, au moins prenons le temps de l'examiner. Or, on s'aperçoit très rapidement si on l'examine que finalement le flot de notre expérience, c'est un flot continu en constante transformation. Notre corps n'est jamais le même d'un instant à l'autre. Je ne suis pas le bébé que j'étais à l'âge d'un an. Je ne suis pas encore le vieillard décrépit qui pourra à peine marcher et qui ne réfléchira, oubliera exact tout à l'instant suivant. Je ne suis pas, dans mon expérience de conscience, je ne suis pas celui que j'étais à 10 minutes. Tout ce que nous venons de dire a enrichi ou appauvri, ça dépend selon les cas, mon flot de conscience et mon expérience. Enfin, il y a toujours quelque chose de nouveau. Donc où se trouverait dans ce flot une sorte d'entité indépendante et autonome? Donc en fait, ce sentiment de l'importance de soi qui a à voir avec notre image, avec l'image que nous faisons de nous-mêmes, que l'on veut montrer aux autres, c'est un peu la source de tous nos troubles. Et pourquoi est-il lié à l'ignorance? Parce qu'en fait, donc encore une fois, si on examine bien ce flot de notre conscience, de notre expérience, ça suffit à définir notre personne. Nous sommes ce flot, il est différent de celui d'un autre. Notre expérience n'a pas été la même que celle d'un autre, ne sera pas la même que celle d'un autre. Donc notre conscience fait une expérience unique. Donc ce flot dynamique qui change à chaque instant et toute l'information ou qu'il porte en termes de bonheur, de souffrance, d'un plus grand nombre, d'un plus ou moins grand degré, plus ou moins important, justement d'émotions positives ou négatives, c'est un peu comme une rivière qui emporte des alluvions, des parcelles de la terre du limon par où elle est passée, parfois de pollution, parfois elle est purifiée, elle peut être polluée à un endroit et purifiée à un autre. Donc il y a toute une histoire qui nous caractérise, qui est notre personne, et c'est très bien comme ça. Maintenant, ce qu'on fait généralement, on colle là-dessus. Alors si c'est qu'un concept, ça va. Dans ce sens-là, dans le bouddhisme, accepte tout à fait la notion conventionnelle d'un moi. Bon, ce fleuve, on l'appelle Mathieu, Tintin, le Gange, le Mississippi, la Loire, pas de problème, à condition qu'on garde en mémoire que c'est une convention, c'est-à-dire que ce flot de conscience, d'expérience qui est différent du tien, eh bien, on peut lui donner un nom et on a le droit, et c'est tout à fait justifié qu'on fonctionne comme ça. Simplement, ne pas considérer que cet nom qui permet de le reconnaître, de l'identifier, d'apprécier sa continuité, ce n'est qu'un concept, ce n'est qu'un label, ce n'est pas une entité qui existe comme un petit noyau. Donc l'exemple de la rivière est tout à fait approprié. La continuité de la rivière, c'est le flot de la conscience, le flot de la personne, de l'individu. La rivière n'est jamais la même. Ce n'est pas le bouddhisme qui l'a inventé. Les Grecs disaient, on ne se baigne jamais deux fois dans la même rivière. On peut lui donner un nom, on peut l'appeler la Loire. Simplement, il n'y a pas au sein de la Loire un petit bonhomme ou une petite entité qui sort sa tête et qui dit « Ah, la Loire, c'est moi !» Ça n'existe pas. Par contre, si on croit qu'elle existe, alors on essaie de la protéger, on essaie de la satisfaire, d'où l'image de soi-même, d'où la cible qu'elle devient automatiquement, parce qu'elle est vulnérable forcément, puisque déjà c'est une imposture, donc elle est vulnérable à la réalité. Elle est vulnérable à toutes les provocations, à tout ce qui va causer justement la jalousie, l'obsession, etc. Donc, à la racine des autres événements mentaux afflictifs, les émotions négatives, il y a cette ignorance fondamentale quant à la nature de la personne, de la nature de l'être, de la nature de la conscience, et l'idée qu'il y a une identité autonome, permanente. C'est la source de tous nos troubles.
Mais la psychologie occidentale, en tout cas la plupart d'elles, disent qu'il faut renforcer le moi pour être sain, pour fonctionner dans notre société. Alors ils confondent la force d'âme et l'exacerbation du moi, le sentiment de l'importance de soi. En fait, un ego surpuissant, c'est une plus grande vulnérabilité. Parce que le plus il est gonflé, le plus il est facile d'envoyer des flèches dans ce gros ballon et donc de le faire souffrir. Celui justement qui a dissipé l'illusion de cet ego comme une entité séparée, hop, les flèches sont comme des flèches tirées dans le ciel, ça fait plus de tort à personne. Donc du coup, moins de sentiments d'insécurité. Le sentiment d'insécurité, il vient d'un ego, d'une conception de l'ego comme quelque chose de très très important. Donc il est vulnérable, donc on se sent l'insécurité. Je vais être, que me réserve le futur, mon ego va être agressé, mon ego va être méprisé, mon ego va être l'objet d'injustice, il ne va pas réussir à être satisfait autant qu'il le veut. Donc vulnérabilité permanente, sentiment d'insécurité, de peur, donc souffrance, frustration. Pas de sentiment exacerbé de l'importance de soi. Insultes, louanges, c'est comme des échos. Hein, si vous dites à une falaise, espèce d'imbécile, bon, c'est amusant. Si tu dis, t'es l'empereur de l'univers, bon, on sait bien que c'est pas vrai. Donc dans tous les cas, on va pas être se gonfler d'orgueil parce qu'on entend l'écho qui vous dit ça en retour. Et on va pas être déprimé parce que l'ego, le son de t'es un crétin est revenu. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de... On sait bien que ça vous c'est pas vraiment destiné à attaquer l'ego. Donc on s'en fait pas. Donc si on n'a pas cette cible, bien à ce moment-là, ça sera comme de, on est beaucoup moins vulnérable, beaucoup moins sentiment d'insécurité n'a plus de raison d'être. Donc en fait, une vraie confiance en soi, pas une confiance qui naît de l'arrogance, de la vanité, de s'imaginer qu'on a des qualités qu'on n'a pas, mais une confiance qui naît du fait que il y a plus toutes ces cibles. Eh bien, on sait, on a la confiance de la personne qui sait qu'elle aura toujours la ressource nécessaire pour gérer, quelles que soient les circonstances qu'elle va rencontrer dans sa vie. Le succès comme l'échec, la joie comme la douleur, la louange comme le blâme, la renommée comme l'anonymat, etc. La perte comme le gain, tout ça en fait, la vulnérabilité à l'égard de ces événements est considérablement réduite. Donc force d'âme, liberté intérieure, donc une paix intérieure qui va subsister. Donc en fait, se débarrasser de ce sentiment de l'importance de soi, c'est la meilleure garantie d'une sérénité stable. Et cela nullement enlève la qualité de la richesse émotionnelle, de la vie émotionnelle, parce que toutes les émotions positives, elles n'ont aucune raison de disparaître. Pourquoi est-ce que l'altruisme disparaîtrait si on a réduit le sentiment de l'importance de soi? Au contraire, l'altruisme va d'autant plus s'épanouir si on n'est pas constamment préoccupé par soi-même. Donc les émotions positives qui se construisent à long terme, elles vont s'épanouir beaucoup mieux si on n'a pas cette force d'attachement à l'ego. Donc en fait, on aura vraiment là une personne épanouie qui fonctionnera de façon optimale. Il faut dire qu'il y a quand même actuellement des courants de la psychologie qui travaillent aussi avec ces valeurs. Enfin, la thérapie cognitive est entièrement fondée là-dessus, que d'être constamment ramené toutes les situations à soi, même celles qui n'ont finalement rien à voir avec soi. Il donne l'exemple que si par exemple vous traversez sur les clous, il y a quelqu'un qui arrive un peu trop vite, qui ne s'arrête pas assez vite, et vous avez l'impression qu'en fait, il vous en voulait personnellement. Il y a un sentiment. Pourquoi est-ce que ce type n'a pas fait attention à moi? Et vous avez instinctivement l'idée qu'en fait, c'est vous qui êtes visé, alors qu'en fait, peut-être il était distrait, il a dit, oh celui-là, je vais l'avoir, je vais lui foncer dessus. Généralement, pas. Donc, un ego fort ramène tout à lui. Tout ce que les gens disent, tout ce qui se passe, même s'il pleut, ou n'importe, même souvent des fois les circonstances extérieures. Donc c'est une caractéristique de la dépression, d'un état pathologique mental, que
on pense que le monde entier est votre ennemi. Hein? Et on pense qu'il n'y a pas d'espoir parce qu'en fait on est mauvais, ou tout le monde est contre nous, que les événements sont contre nous, tout va mal, tout va continuer à aller mal. Donc tout ça, c'est bien l'ego qui... Donc ça, les thérapies cognitives reconnaissent parfaitement que cette exacerbation de l'ego qui ramène tout à lui est une des causes principales à la fois de la dépression et de l'agressivité. Donc ça, je veux dire, c'était tout à fait logique. Et aussi, d'un autre côté, mis à part la thérapie cognitive donc, qui a été fondée par Aaron Beck il y a une trentaine d'années, qui s'est aperçu que effectivement, les gens réagissaient comme ça. Ils se sentaient soit diminués par ce qu'on leur disait, soit ils étaient en colère, mais tout ça parce que c'était l'ego qui était touché. Et aussi, une autre personne qui est un grand psychologue des émotions, Paul Ekman, spécialiste mondial des émotions, et qui s'est penché un peu sur des personnes qui manifestent clairement un ego, le contraire d'un ego triomphant, c'est-à-dire qui n'ont pas l'air d'avoir trop d'ego. Il s'est aperçu au contraire que ces gens-là fonctionnaient beaucoup mieux dans la société par rapport aux autres, que les gens prenaient plaisir d'être auprès d'eux, parce qu'évidemment, ils sont plus susceptibles, ils sont pas... Donc je veux dire, on a joie à être en présence d'un côté de quelqu'un qui est libre de cet attachement à l'ego. Alors qu'on voit bien à quel point c'est difficile. On dit, cette personne-là, elle est très difficile. Un caractère. Mais pourquoi? Qu'est-ce que c'est que ça, un caractère? C'est quelqu'un qui, dans l'ego, n'arrête pas d'être exigeant, d'être irrationnel, d'être constamment, on dit, il ne pense qu'à lui. Ça veut dire quoi, il ne pense qu'à lui? Ça veut dire qu'il a un ego très fort. Hein, quelqu'un qui est altruiste, mais justement, il ne pense pas tout le temps à lui. Donc en fait, on voit très clairement, si on voit les tenants, si on pèse le pour et le contre, que d'être libre d'un ego surpuissant, c'est au contraire la garantie d'un épanouissement des qualités humaines. Est-ce que la nature humaine est bonne? Tout l'Occident, bon, ben, il a quand même été très influencé par la notion de péché originel. Mes amis psychologues américains disent que Freud a traîné dans le 20e siècle, c'est-à-dire que ça revient au même. La nature humaine est fondamentalement mauvaise, même si on a l'air de se comporter de façon bienveillante, altruiste, c'est pour des raisons très mystérieuses, mais qui sont toujours pas très bonnes à la base. Alors qu'en vérité, on voit bien que fondamentalement, s'il n'y avait pas cet amour, cette tendresse, je veux dire, il n'y aurait pas le simple fait que si quelqu'un tombe à l'eau, bah forcément on va aller essayer de l'aider. Je veux dire, c'est spontané, on n'a pas besoin de réfléchir, il y a ce fond en permanence. Bon, ça c'est une observation, mais il y a aussi une analyse plus profonde et qui tient en fait à la nature de l'esprit. Parce que pour que l'esprit puisse fonctionner, hein, il faut qu'il y ait une certaine, comment dire, il ne peut pas être fondamentalement teinté par les émotions négatives. Sinon, il ne pourrait pas, ça ne pourrait pas marcher. C'est l'exemple du miroir. Quelle est la qualité première d'un miroir? C'est que lui, en lui-même, il ne reflète aucune image. Par contre, il est disponible pour refléter toutes les images. On peut avoir un visage grimaçant ou un visage radieux. Ils peuvent se refléter instantanément dans le miroir. Si le visage grimaçant appartenait au miroir, c'est-à-dire qu'il pénétrait le miroir où il y appartenait, on le verrait tout le temps. Du coup, le visage souriant n'arriverait pas à se superposer, ou ça se mélangerait, on ne verrait plus rien. Donc il y aurait une totale confusion quant à la nature, le miroir ne pourrait pas fonctionner. Donc pour être ce qu'il est, le miroir doit refléter n'importe quoi, mais ne pas être modifié, pénétré par ces images. Donc si on change la nature de l'esprit, il y a toutes les pensées, les constructions mentales, les émotions positives, négatives, la joie, la souffrance, la haine, l'amour, etc. Qu'est-ce qui permet tout ça, à la base? Il faut qu'il y ait cette faculté cognitive pure, comme la surface du miroir,
pour que tout puisse réfléchir, la haine comme l'amour. S'il y avait tout le temps de la haine, on verrait tout le temps de la haine quelque part dans notre esprit. Or, on ne voit pas tout le temps de la haine dans notre esprit. On ne voit pas tout le temps de la paix intérieure. Il y a des moments de paix, des moments d'agitation, des moments d'amour, des moments de haine. Tout ça, c'est possible parce qu'il y a une qualité première de la conscience qui permet tous ces développements, mais qui elle-même n'est pas modifiée intrinsèquement. Donc les pensées qui se développent, les émotions positives, négatives. Si l'on prend l'exemple d'un tissu, par exemple, elles n'appartiennent pas au tissu comme la teinture qui pénètre chaque parcelle du tissu. Pour s'en débarrasser, il faudrait à ce moment-là détruire le tissu. Mais c'est plutôt comme une tache que l'on peut laver, ou que l'on peut écrire sur le tissu, on peut laver cette écriture. Donc les émotions positives, négatives, procèdent de ce qu'on peut appeler la conscience pure, mais ne lui appartiennent pas. C'est-à-dire que cette conscience pure, elle est indéterminée dans les deux sens. De ce fait, on peut dire qu'elle est bonne, non pas dans le sens qu'elle est bonne dans le sens moral, mais elle est pure, parce qu'elle n'est pas affectée par aucune émotion, qu'elle soit positive ou négative d'ailleurs. Et c'est un potentiel pour toutes les pensées de survenir. Donc de ce point de vue-là, elle est immaculée, elle est pure, elle est simple, elle est primordiale. Et donc on peut dire que, d'un certain point de vue, les émotions positives sont moins loin de cela, parce qu'il est certain que la haine, la colère, on la ressent plus comme une déviation que comme une adéquation avec notre nature. On le voit dans le langage courant. Quelqu'un qui s'est mis en colère et puis qui s'est dit « je suis désolé, etc. J'étais hors de moi, je n'étais plus moi-même », ça veut bien dire qu'il sent qu'il y a quelque chose encore plus loin de cette nature première. Par contre, si on fait un acte de générosité, un acte de bonté, désintéressé, simplement pour faire plaisir, un geste d'amour pour un enfant, pour quelqu'un qu'on aime, ou quelqu'un qu'on ne connaît pas, un geste qui va lui faire du bien, on a l'impression qu'on voudrait être comme ça tout le temps. On ne pourrait pas être en colère tout le temps. Qui voudrait être en colère tout le temps? Même s'il pense que c'est justifié, on pourrait se mettre en colère contre n'importe quoi dans le monde. Il y a tellement de raisons de se mettre en colère, c'est un point de vue. La contestation permanente, c'est pas très agréable. La sérénité de l'amour, de la bonté, de la joie de vivre, du sourire, on sent beaucoup plus que c'est comme ça, que c'est ça en fait notre être. On dit « Ah, là vraiment je me sens bien avec moi-même ». Ça veut dire quoi? On se sent plus près de notre nature véritable. Et d'ailleurs la tendresse qu'on donne à l'enfant qui naît et qu'on donne aux vieillards qui sans nous, l'enfant ne pourrait pas survivre ne serait-ce que quelques heures, le vieillard ne pourrait plus rester en vie. Donc recevoir et donner de l'amour, ça semble tellement naturel. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'elles sont plus proches de notre nature véritable. Et que le reste, c'est plutôt des déviations, des obscurcissements, même ils durent longtemps, même s'ils sont intenses, même si ça va à la barbarie, à la tragédie, à la violence, ce sont des déviations. Et quand on se sent justement bien en soi-même, c'est l'altruisme, c'est l'ouverture, c'est la tolérance, c'est le pardon, c'est tout cela qui va se manifester. Quels sont les antidotes au poison de notre conscience? Tout d'abord, il faut se demander est-ce qu'il est possible d'y remédier. Et ce qu'on vient de dire, à savoir qu'il se manifeste dans le champ de la conscience, mais ils n'y appartiennent pas à la conscience pure, ça montre déjà qu'ils sont éphémères, qu'ils naissent à la suite de causes et de conditions. Ces causes et ces conditions, elles naissent de nos tendances passées, de notre mémoire, de ce que nous avons vécu, et aussi des circonstances extérieures qui vont déclencher le fait qu'une émotion particulière va surgir en fonction de notre tempérament et de nos tendances. Hein? Les tendances, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la même insulte, ça ne fera strictement rien à quelqu'un qui a une liberté intérieure, il trouve ça très drôle, il me dit « je suis un crétin, bon quoi ?» Et ça va mettre en colère quelqu'un qui est très centré sur son ego. Donc la tendance, le terrain, va être plus ou moins favorable à la
à une réaction particulière. Mais les circonstances vont être fournies par l'extérieur ou par un souvenir. Oh, il m'a fait ci, il m'a fait ça, on s'en rappelle encore et encore, donc ça surgit. Mais le fait qu'elles sont éphémères et qu'elles dépendent de très nombreuses causes et de conditions fait qu'on peut y remédier, si on regarde ça un peu avec une certaine perspective. On prend un certain recul et on regarde un peu tout ça, on peut y remédier. Parce qu'elles sont éphémères. Et parce qu'elles sont, elles ne sont pas intrinsèquement, elles font pas intrinsèquement partie de notre conscience la plus fondamentale. Donc comment y remédier? Ben, il y a des choses, des antidotes extrêmement simples et évidents. Il y en a des plus sophistiqués ou complexes. Les plus évidents, c'est l'eau et le feu, incompatibles. Tendre la main et donner un coup de poing, incompatible. On ne peut pas faire dans le même geste, donner un coup de poing à quelqu'un et lui tendre la main ou lui caresser la joue. C'est deux choses incompatibles. Au même moment, vis-à-vis du même objet. Donc, de la même façon, la bienveillance et la malveillance, ça ne marche pas ensemble. Soit on fait l'un, soit l'autre. Je ne dis pas à la suite l'un de l'autre, au même moment, vis-à-vis de la même personne. On ne peut pas vouloir faire du bien, vouloir faire du tort en même temps, ce n'est pas possible. Donc ça veut dire quoi? Que le plus on engendre la bienveillance, le moins il y a de place pour la malveillance de notre esprit. C'est aussi simple que ça. Simplement, on ne prend jamais la peine de cultiver quelque chose. On n'a pas l'habitude de cultiver la bienveillance. On l'a de temps en temps. Parfois on se dit, ah ben non, ben là quand même il exagère, donc paf, on se met en colère. Donc on réagit un peu comme des gamins qui pleurent un moment, sont très contents l'autre moment, repleurent l'instant suivant. On est comme des gamins capricieux. On n'a aucune expérience et faculté de voir à long terme comment cultiver et transformer nos émotions. Par contre, si on voit qu'effectivement, le plus j'engendre la bienveillance à mon esprit, le moins il y aura de place pour des pensées de malveillance. Donc cette idée que peu à peu, on va d'abord être inspiré à cette démarche en reconnaissant les qualités qu'il y a à être bienveillant, les avantages. Parce que pour avoir de l'enthousiasme vis-à-vis de quelque chose, il faut voir qu'est-ce qu'on a à gagner, je dirais, de certains points de vue. Et voir qu'est-ce qu'on a à perdre en étant constamment malveillant vis-à-vis des autres. Et on est malheureux soi-même. Donc on voit très bien tous les désavantages. Donc voyant ça, on se dit, ah ben peut-être si je cultivais un peu plus d'altruisme et de bienveillance, ça me ferait du bien et ça fera certainement du bien à ceux qui m'entourent. Donc l'idée de cultiver les antidotes. Donc examinons aussi quels sont les antidotes pour chacune de ces émotions négatives. Bon alors, vite la colère, c'est la patience. Au lieu d'être tout de suite en colère, on laisse les choses se faire, on laisse un peu les émotions se reposer et puis on agit différemment par le dialogue. La malveillance, la haine, l'antidote, c'est la bienveillance et l'amour. La jalousie, on dit « Ah, c'est insupportable que cette personne soit heureuse. » Ah ben, se réjouir. Ah ben, c'est très bien, il est content comme ça. Bon, si je souhaite son bonheur, ben c'est fait, donc tant mieux. Hein? Le désir obsessif, c'est justement la liberté. Le désir obsessif, c'est un besoin. On a dit, s'il est même plus plaisant, on est contraint. On voit bien avec le phénomène d'accoutumance au désir, à la jouissance, aux drogues, par exemple. Le besoin est si fort que même si c'est plus une sensation heureuse, on est presque forcé. Donc, on n'est plus libre, on est asservi par le désir. Donc, la liberté intérieure est l'antidote de la soif obsessionnelle. L'antidote de la confusion mentale, c'est la sagesse, la connaissance. Hein, l'antidote de l'attachement à l'ego, c'est de comprendre que l'ego est dénué d'existence propre. L'antidote à le fait qu'on ne perçoit pas la réalité comme elle est et qu'on s'imagine que cette fleur ou cet objet est beau en lui-même et on voit pas que c'est une interrelation avec notre conscience, c'est une erreur. Donc la sagesse, la connaissance qui voit non, c'est l'interdépendance. Elle est belle pour moi, mais elle n'est pas belle pour quelqu'un d'autre. Donc de nouveau, la sagesse ou la connaissance discriminative, l'analyse, et l'antidote de l'ignorance et d'accepter des choses comme « Ah oui, ça c'est beau, ça c'est mauvais, ça, il est bon, il est mauvais, etc. » Donc pour chacune de ces facteurs mentaux afflictifs, il y a un antidote approprié que l'on peut mettre en action. Donc ça c'est une méthode. Il y a une autre méthode que j'ai fait allusion, c'est qui est valable pour toutes les émotions afflictives.
et qui est justement cette dissociation. Ne pas s'identifier à la jalousie, ne pas s'identifier à l'obsession, ne pas s'identifier à la haine, mais la regarder comme un phénomène. Pourquoi est-ce que je serais l'esclave de cette émotion? La regarder, je veux dire, voilà, quelque chose, c'est comme une maladie. C'est comme on regarderait un paquet plein de bactéries et de virus. On dit, oh là, ça, attention, laissons ça de côté. Donc, et quand on la regarde, comme je l'ai mentionné, eh bien, naturellement, du moment qu'on ne l'entretient pas, elle se dissout d'elle-même. Par contre, qu'est-ce que c'est que le cercle vicieux de l'obsession? Aussi bien dans la répulsion, dans l'attraction d'ailleurs, l'esprit va constamment, constamment, constamment vers l'objet. Et à chaque fois qu'il va vers l'objet, c'est comme d'appuyer sur un bouton, ça renforce l'émotion, encore renforce l'émotion. Donc ce cercle vicieux. Si on la regarde, non pas l'objet qui déclenche l'émotion, mais l'émotion elle-même, donc on sépare encore une fois l'objet et l'émotion elle-même, on regarde l'émotion, du fait qu'on appuie plus sur le bouton, elle n'est pas capable de se maintenir d'elle-même, donc elle va se dissiper. Donc ça, c'est une autre forme d'antidote qui s'applique à toutes les émotions, que ce soit l'attraction, la répulsion qui nous tourmente, on la regarde elle-même, elle se dissout. Donc il y a toutes sortes de méthodes comme ça, qui ce qu'on appelle en fait la méditation. En Occident, la méditation, on s'imagine quelqu'un qui est assis sous un palmier, en train d'absorber dans la béatitude, et voilà, une sorte de relaxation mentale. En fait, la méditation, c'est de se familiariser avec toutes ces techniques de libération intérieure, de transformation intérieure, afin d'être libre de ces toxines mentales. Et comme on ne l'est pas naturellement, hein, ça ne s'arrête pas de tout seul, il faut ce processus d'entraînement de l'esprit et de familiarisation. D'où la notion d'entraînement de l'esprit. Et cet entraînement de l'esprit, il va peu à peu transformer notre manière d'être, notre manière de percevoir les choses, notre manière de faire l'expérience des choses. Donc c'est ça, la méditation, c'est un entraînement de l'esprit à long terme. Mathieu Ricard, qu'on voit ici avec sa mère Yann Le Toumelin, moine bouddhiste et peintre de valeur, a une formation en biologie moléculaire. Depuis quelques années, il s'occupe activement de la recherche sur la conscience en collaboration avec deux grandes universités américaines et dans le contexte des travaux de l'association Mind and Life, dans laquelle le Dalai Lama rencontre des hommes de science pour discuter des grands sujets de notre temps. La science commence à étudier l'entraînement de l'esprit, n'est-ce pas? Justement, la science du cerveau, qu'est-ce qui fait que le cerveau va se modifier, d'abord va se former d'une certaine façon chez le nouveau-né? Quels sont les types de connexions neuronales qui vont se former? Une fois qu'elles sont formées, quelles sont celles qui vont se maintenir? Elles se maintiennent parce qu'on les utilise tout le temps, on les renforce. L'activité est de plus en plus grande. Et il y en a d'autres qui dégénèrent parce qu'elles ne sont jamais utilisées. Donc il y a une sorte de sélection naturelle qui se fait parmi les connexions neuronales. Certaines qui sont renforcées, d'autres qui sont abandonnées. Donc tout ça, ça va créer une sorte d'évolution progressive du cerveau qui va se façonner d'une certaine façon. Quelqu'un qui ne voit jamais, même si brusquement il recouvre la vue, ou si par exemple si on lui maintenait un bandeau sur les yeux pendant les 5 premières années de la vie, et qu'au brusquement on ouvre, la personne ne verra pas. Parce que l'air visuel n'a pas appris à voir. Malgré qu'elle soit disponible pour cette fonction, elle ne l'a pas entraînée. On sait aussi que l'entraînement en général, que ça soit par exemple pour la musique ou pour le sport, l'entraînement sportif demande une très grande précision des gestes, ou par exemple dans des figures de gymnastique ou de plongeon de haut vol, ou une très grande précision. Donc si on fait ça encore et encore et encore et encore, il y a des aires du cerveau où les parties du cerveau qui gèrent ces gestes ou cette faculté vont être renforcés
que ça soit dû à des nouveaux neurones ou à des renforcements de connexions existantes ou à la multiplication des connexions. De toute façon, l'activité va être renforcée. La musique, c'est pareil. Par exemple, on sait que chez des violonistes qui utilisent leurs doigts, les doigts de la main qui agit comme ça, l'aire du cerveau qui régit ces mouvements-là va être considérablement augmentée. Donc ça, c'est pour ça vient donc d'une transformation, d'une adaptation au milieu extérieur. Alors, ce qui est intéressant avec la notion d'entraînement de l'esprit, c'est que c'est un entraînement intérieur. On va entraîner l'esprit à la compassion, on va entraîner l'esprit à l'attention. Et donc ça, c'est un enrichissement qui est engendré par notre propre esprit, pas seulement passivement, parce qu'on s'entraîne à courir, à sauter, à voir, à entendre. Hein. Donc là, en plus, c'est volontaire. Parce que seulement voir, entendre, mais le jeune enfant qui se développe, il s'ouvre aux perceptions, mais il ne décide pas, je vais apprendre à voir. Donc, différence. L'importance aussi, c'est que là, on n'agit pas simplement au niveau de jouer de la musique, ce qui est très bien. Enfin bon, je veux dire, c'est pas totalement indispensable à l'existence. C'est une très noble, un art magnifique. Mais je veux dire, on peut aussi vivre très heureux, même si on n'est pas un expert, un virtuose du piano. Tandis qu'on ne peut pas vivre heureux si on n'a pas su développer l'altruisme, la joie de vivre, les émotions positives, la force d'âme, la liberté intérieure. Ça, ce sont des qualités humaines qui sont indispensables à la qualité de notre vie. Donc si effectivement un processus volontaire d'entraînement de l'esprit, qu'est-ce qu'il fait? Puisqu'on sait qu'il a une activité, du moins du point de vue subjectif. Ceux qui ont développé l'altruisme, ben, ils sont plus altruistes maintenant qu'il y a 10 ans. Ceux qui ont développé l'attention, donc tout ça, ça se développe, ça peut se développer en parallèle. Hein. On ne fait pas que un méditant dans le bouddhisme ne va pas que développer son attention pendant 10 ans, puis que la compassion. Il va développer tout ça ensemble, mais il peut le faire considérablement. Il y a des gens qui font des retraites, qui font ça 10, 12, 14 heures par jour. Donc c'est vraiment un entraînement intensif et volontaire. Donc qu'est-ce qui va se passer si des personnes ont, pendant la même période de temps que des grands violonistes de concert, c'est-à-dire 10 000 heures, 20 000 heures, 30 000 heures, qu'est-ce qui se passe s'ils ont essayé de développer ces qualités humaines? Bon, c'est exactement la question que se sont posées des spécialistes des neurosciences suite à la rencontre avec le Dalai Lama qui est très intéressé par la science. Donc il y a notamment un institut qui s'appelle le Mind and Life Institute, l'Institut de l'Esprit et de la Vie, qui s'est fondé il y a une quinzaine d'années par Francisco Varela et Adam Engel, donc un neuroscientiste chilien qui a travaillé en France et un homme d'affaires américain. Ils se sont dit, on va créer une organisation pour permettre au Dalai Lama de rencontrer des scientifiques. Donc ces rencontres sont passionnantes du point de vue intellectuel, parce qu'elles ont rassemblé les plus grands scientifiques du moment, des prix Nobel de physique, des prix Nobel de biologie, d'économie, etc., de médecine et d'économie. Mais en même temps, bon, c'était des rencontres intellectuelles passionnantes, mais bon. Mais depuis une des rencontres qui s'est faite en l'an 2000, justement sur les émotions destructrices, il y a eu l'idée de lancer un programme de recherche en neurosciences pour justement voir qu'est-ce qui se passe chez des gens qui ont effectué cet entraînement de l'esprit sur des années et des années. Est-ce qu'il y a une différence au niveau de leur cerveau? Est-ce qu'ils réagissent différemment à la suite de sollicitations émotionnelles? Qu'est-ce qui se passe quand eux-mêmes ils s'assiedent dans un état neutre et puis brusquement ils engendrent une compassion très puissante? Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau? Maintenant on a les moyens de le regarder. Alors on le regarde de deux façons. Donc qu'est-ce qui se passe dans le cerveau? Qu'est-ce qu'il faut savoir? Comment peut-on connaître ce qui se passe? Quels sont les changements dans le temps? Et où se produisent-ils? Donc il y a deux techniques principales. L'électroencéphalogramme avec 256 électrodes qui mesure très précisément dans le temps, au millième de seconde, des changements peuvent être mesurés. On sait à peu près où ça se passe, à la surface, c'est plus difficile de localiser en profondeur dans le cerveau, en trois dimensions. Encore qu'il y a des techniques qui permettent d'avoir une idée, mais ce n'est pas aussi extrêmement précis. Il y a une autre technique, qui s'appelle l'IRM fonctionnel, qui lui, cette technique, donc c'est la mesure de la résonance magnétique qui est liée à la mesure du flot sanguin dans le cerveau, qui permet de savoir très précisément où quelque chose se passe, en trois dimensions. Simplement,
la résolution dans le temps est plus faible, c'est-à-dire qu'un changement qui se produirait au millième de seconde, on ne verrait rien. On voit seulement qu'il y a des changements qui se produisent de l'ordre de 3 ou 4 secondes. Mais enfin, sur l'engendrement d'un état méditatif, sur plusieurs minutes, bien sûr, on le voit, même dans l'espace de quelques secondes. Mais si on combine les deux, on a à la fois une précision dans le temps et une précision dans l'espace. Donc c'est exactement ce qu'ils ont fait. Et alors qu'est-ce qu'on mesure dans ces cas-là? C'est des différences. On ne mesure pas une valeur absolue d'une activité cérébrale, on mesure par rapport à une non-activité. Donc dans le cas de la méditation, quelle va être la non-activité? C'est de rester en état neutre. Hein. Je suis là dans une salle d'attente, bon, je ne fais rien, je suis là. Un état un peu amorphe. Aucune pensée particulière, aucune émotion particulière, aucun état intérieur qui soit cultivé, simplement on est là. Et puis, on va passer de cet état, donc on va d'abord maintenir un peu comme une ligne de base, hein, pendant 30 secondes ou une minute, et puis on va dire, bon maintenant, on va engendrer un état volontaire, par exemple de compassion. Qu'est-ce que c'est que la compassion? La compassion et l'amour, la bienveillance sont unis dans cet état, c'est une sorte de bienveillance inconditionnelle à l'égard de tous les êtres. Alors quand elle est confrontée à la souffrance, on appelle ça la compassion. Quand c'est simplement le vœu que les êtres trouvent le bonheur et les causes du bonheur, on appelle ça l'amour altruiste. Mais ça procède de la même sorte de bienveillance, de disponibilité, d'ouverture aux autres, d'altruisme fondamental. Donc on peut imaginer qu'on fasse naître cette bienveillance en notre esprit. Et les méditants, ils se sont entraînés à ça pendant des années. Donc, on va demander aux méditants de rester donc en état neutre, ensuite d'engendrer à leur rythme. Mais généralement, l'expérience montre qu'en l'espace de 1 minute et demie ou 2 minutes, ils peuvent entrer dans cet état de compassion, d'engendrer une compassion intense et de voir qu'est-ce qui se passe, des différences. Donc là, on trouve des différences considérables. Donc, ce sont des études maintenant qui sont effectuées dans plusieurs laboratoires, mais les pionniers ont été donc Richard Davidson, aussi sur Francisco Varela au début, mais surtout sur la mission sur la compassion, ça a été Richard Davidson et Antoine Lutz, qui est un étudiant de Francisco Varela, donc à l'université de Madison au Wisconsin aux États-Unis. Ça fait maintenant 4 ans qu'il y a ce programme d'études. Et donc, c'est un programme d'études qui a été conçu en collaboration avec des méditants. Moi, j'ai participé au tout début pour justement. Combien de temps est-ce qu'on allait rester dans l'état neutre? Combien de temps est-ce qu'on allait engendrer la compassion? J'ai essayé un peu toutes les techniques dans les machines pour voir si ça correspondait à quelque chose au vu de notre expérience. Puis on voit si on voyait quelques résultats quand même. Si, bon, je ne suis pas loin d'être un grand méditant, mais le fait que j'ai médité longtemps, s'il n'y avait strictement rien, je me disais, bon, ben, peut-être que ce n'est pas là où il faut chercher. Bon, moi, si j'ai une petite différence, je me dis des vraiment des très grands méditants, il y aura une différence plus grande, mais déjà au moins une indication qu'il y a quelque chose à explorer. Donc effectivement, dès le début, même avec quelqu'un aussi nul que moi, il y avait de très grosses différences, hein, surtout dans le cortex préfrontal gauche, qui justement se trouve à avoir être relié aux affects ou aux émotions positives, était considérablement augmenté. Dans une certaine bande de fréquence qu'on appelle la bande gamma, bon ça c'est pas très important pour... et le cortex préfrontal droit qui est lié à la dépression, à se replier sur soi-même, à manquer de joie de vivre, était au contraire, l'activité était diminuée. Donc il y avait déjà quelque chose de très intéressant. On pouvait se dire, bon ben après tout, n'importe qui peut méditer sur la compassion, être plein de bons sentiments et puis ça va se passer comme ça. Donc l'important c'est de voir, est-ce que c'est dû à l'entraînement, ou est-ce que c'est simplement une personne qui est plutôt altruiste par nature ou de bonne humeur? Et qu'est-ce qui se passe avec des gens qui, un échantillon de sujets qu'on appelle des témoins, des contrôles, qui essaient d'engendrer la méditation sur la compassion. Alors on va donner une petite chance, on va leur demander de faire ça pendant une semaine, 45 minutes par jour, on leur explique comment méditer, la même façon que les méditants, eux, ont fait ça pendant des années, donc le même processus, on leur explique. Ils font ça pendant une semaine, ils reviennent au labo, on leur dit, bon voilà, maintenant vous restez en état neutre, ensuite vous engendrez la compassion, puis on voit ce qui se passe. Et l'expérience a montré qu'il ne se passait pas grand-chose. Ils avaient quand même ce sentiment vague de compassion, mais l'activité, la différence était minime par rapport à une activité énorme chez les méditants expérimentés. Donc là,
Alors, il y a plusieurs explications. On peut se dire, oui, mais les ermites ont expérimenté, en fait, ils étaient comme ça dès le départ, et c'est pour ça qu'ils ont médité. Mais le point intéressant, c'est qu'on s'aperçoit, lorsque l'on relie l'intensité de la variation entre l'état neutre et l'état de méditation, avec le nombre d'heures estimées, bien sûr, mais enfin, malgré tout, on sait s'ils ont fait 1 an, 10 ans, donc ils ont fait 10 000 ou 50 000 heures de méditation. Donc, si on relie l'intensité du changement entre l'état neutre et l'état méditatif avec le nombre d'heures qu'ils ont médité, on s'aperçoit que c'est une courbe linéaire. C'est-à-dire que, à l'évidence, la durée ou l'intensité de l'entraînement de l'esprit produit, c'est ça qui semble produire des changements. Et non pas l'âge, par exemple. Si on fait ça avec l'âge, on ne trouve pas une courbe linéaire. Il y a des sujets jeunes qui ont fait des retraites dès l'âge de 13 ans, qui ont beaucoup médité, et des sujets âgés qui ont commencé plus tard, donc qui ont peu médité. À ce moment-là, si c'était l'âge, on verrait une courbe en fonction de l'âge, simplement. Les gens plus âgés sont plus compassionnés, par exemple, ont plus de facilité. Bon, ce n'est pas le cas. C'est vraiment en fonction de l'expérience. Alors, on peut se dire, oui, mais c'est très joli. Qu'est-ce qui va aller méditer pendant 40 000 heures? Donc, Richard Davidson, d'ailleurs, a fait une étude avec des gens extrêmement stressés d'une compagnie de biotech américaine à Madison, où il a demandé à des employés s'ils voulaient bien participer à cette étude, où on leur donnait un cours de méditation pendant 3 mois, où ils sont censés méditer 40 minutes par jour, et un peu plus le samedi avec quelqu'un qui leur apprend, et au bout de 3 mois, voir ce qui se passe. Et un autre groupe leur dit, bon, on vous donnera ça, vous inquiétez pas, on vous apprendra la méditation, mais plus tard, après ces 3 mois, mais s'il vous plaît, venez quand même au labo toutes les semaines, et on va vous suivre. Alors, ils n'étaient pas très contents, mais enfin, bon, ils l'ont fait. Et la différence était nette, même au bout de 3 mois. Il y avait un déplacement d'environ 20% de la ligne de base entre les rapports d'activité droite et gauche du cortex préfrontal. Donc, passer plus vers le côté positif en simplement 3 mois. Donc c'est déjà assez encourageant par rapport à 20 ou 30 ans. De plus, ce qui est intéressant aussi, on sait qu'il y a un rapport entre le stress et la santé. Entre le stress et la réponse immunitaire. Ça, c'est maintenant, c'est bien connu. Très bien connu. Donc on s'est dit, qu'est-ce que ça va être, quel va être l'effet sur ces personnes qui ont mis des 3 mois. Or, il se trouve justement que dans cette compagnie, pour éviter que les gens ne viennent pas au travail, ils sont obligatoirement avoir une vaccination contre la grippe au mois de novembre. Pour ne pas réduire l'efficacité de l'entreprise. Donc on a fait exprès de faire cette étude 3 mois avant cette vaccination. On sait que la réponse à la vaccination est liée au stress, c'est-à-dire que les gens sont très stressés, le vaccin ne prend pas. Les soldats, par exemple, qui sont partis à la première guerre du Golfe, ils étaient anxieux, forcément, de partir à la guerre, qu'ils ne le seraient pas. Des vaccins qu'ils ont tous reçus, qui normalement marchent à 80-90% des cas, ne marchaient qu'à 50% des cas parce qu'ils étaient tous stressés. Là, on s'est aperçu également que les personnes qui avaient suivi ces 3 mois de méditation, le vaccin réussissait aussi 20% mieux que chez le reste des employés et que ceux qui ont reçu le cours de méditation plus tard et qu'on a suivi pendant tous les groupes témoins, si vous voulez. Donc on voit là qu'il y a une transformation de l'expérience émotionnelle, une diminution du stress et donc un renforcement du système immunologique. Donc ce qu'on pourrait dire, c'est que la méditation renforce le système immunitaire de l'esprit. Et que ça se répercute aussi sur le système immunitaire corporel. Donc, voilà. Donc ça, ce sont des études qui sont passionnantes. Et il n'y a pas seulement la compassion qui est étudiée. De la même façon, on a pu montrer que la faculté d'attention, de maintenir son attention focalisée sur une chose particulière, il y a des moyens de montrer si l'attention flanche ou pas, si on est distrait ou fatigué ou pas. Aussi bien dans l'électrocéphalogramme que par des tests psychologiques. On voit par exemple des lettres qui passent très 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 vite. Et chaque fois qu'il y a un X, il faut appuyer sur un bouton. Bon, si les lettres sont petites, elles ne sont pas très claires. Donc si vous commencez à être distrait, vous laissez passer les X sans appuyer sur le bouton. C'est tout simple. Et la courbe, en gros, au bout de 5 minutes, les sujets ordinaires commencent la tension diminue. Or là, pour l'instant, on arrive à des courbes plates sur 10 ou 15 minutes avec des sujets entraînés. Donc, une faculté de maintenir l'attention sans fatigue et avec clarté. Donc, il y a toutes sortes d'études sur l'imagerie mentale aussi. Donc, il y a des laboratoires à Princeton, dans le laboratoire de Jonathan Cohen, à Harvard, dans le laboratoire sur l'imagerie mentale de Stephen Koslin, donc Paul Ekman,
pour les émotions à Berkeley. Il y a des laboratoires en Angleterre aussi qui s'intéressent à ça, mais n'hésitent pas à commencer sur l'empathie. Et peu à peu, ça fait tache d'huile et de plus en plus de scientifiques de haut niveau, parce que c'est ça qui est important. Parce que des études faites avec des scientifiques un peu en bordure et des méditants un peu en bordure aussi, je veux dire, ça ne satisfera ni les uns ni les autres. On va dire, ah ça c'est des études bidons, c'est pas des scientifiques sérieux, donc personne n'accordera crédit à leurs résultats. Si ça se trouve que c'est les meilleurs scientifiques du moment, ils ont une crédibilité qui est toute autre, et une exigence sur la qualité des résultats qui est toute autre. Ils ne vont pas se précipiter pour publier des résultats. L'étude qui a été faite sur la compassion, Richard Davidson, Antoine Lise et son équipe, pendant un an, une fois que les résultats étaient bien obtenus, pendant un an, ils se sont préoccupés de savoir s'il n'y avait pas une autre explication que la méditation. Si ce n'était pas dû par mouvement des muscles, plein d'autres choses. Éliminer toutes les possibilités qui pourraient être expliquées autrement que par la méditation, donc les artefacts, comme on appelle. Et c'est uniquement quand ils étaient convaincus que c'était bien l'effet de la méditation, qu'ils ont publié donc un article paru récemment dans les comptes rendus de l'Académie des sciences américaines, qui est un des premiers articles sérieux sur les effets à long terme de la méditation. Donc c'est vraiment une étape importante. Et depuis d'ailleurs, le ministère de la Santé américain, ce qu'on appelle le NIH, National Institute of Health, a accordé un crédit à Antoine Lutz, qui au sein du laboratoire de Richard Davidson poursuit à plein temps ses études de méditant. Récemment encore, des retraitants qui étaient chez nous au Népal, dans notre monastère, qui ont fait 3 ans de retraite, à peine ils sont sortis, sont allés étudier ces thèses. Donc il y a une dizaine de méditants maintenant qui sont passés, un groupe témoin important, des contrôles, et donc cette étude devient de plus en plus étoffée, de plus en plus robuste, et c'est ça qu'il faut. Alors une fois qu'on aura montré qu'il y a bien une différence considérable entre les sujets entraînés et non entraînés, les études longitudinales, ça veut dire au fil du temps, sur des mois et des années, comment est-ce que, en partant d'un échantillon normal de la population, si des gens décident de s'entraîner, soit en amateur, disons, en faisant 20 minutes par jour, soit en faisant des retraites, qu'est-ce qui se passe entre le début, le milieu et la fin de leur entraînement? Et c'est ça qui montrera vraiment que c'est dû à l'entraînement de l'esprit. Donc tout ça, on est vraiment à un tournant dans ce domaine, de ce qu'on appelle la neuroplasticité, c'est-à-dire la transformation du cerveau, mais non pas dû simplement à l'enrichissement passif venant de l'extérieur, mais dû à un enrichissement intérieur, actif et volontaire, et qui vise à développer des qualités humaines, ce qui évidemment, c'est quand même une valeur considérable par rapport à simplement une expertise, je sais pas, à faire une tâche ou à faire un sport, c'est très bien, mais je veux dire, c'est quand même plus essentiel pour la bien-être de l'humanité, de développer l'attention, l'empathie, l'altruisme, la compassion, et la stabilité, l'équilibre émotionnel, etc. Est-ce qu'on peut hypothéser des applications de ces découvertes? Il y en a déjà qui sont en étude. Par exemple, dans l'éducation précisément, en ce moment, il y a une étude pilote qui est faite qui s'appelle Cultivating Emotional Balance, c'est-à-dire cultiver l'équilibre émotionnel, avec une centaine de professeurs femmes, d'institutrices aux États-Unis. Donc c'est un programme qui était initié par Paul Ekman et qui maintenant a été poursuivi par Margaret Kemeny. Et donc, sur l'imitation sur la compassion, sur l'altruisme, pendant 3 mois, des femmes professeurs et institutrices, et ensuite on a mesuré d'abord leur physiologie, donc par les mêmes techniques. Ensuite, leur rapport avec leurs élèves, si ce rapport est amélioré, si les élèves eux-mêmes ressentent ce qu'on appelle le facteur maître, c'est-à-dire la qualité de l'enseignant, est évidemment, se répercute sur les enfants. Un bon instituteur, une bonne institutrice, elle réussit toujours à motiver les enfants. C'est très différent si on a un professeur qu'on aime bien, on est beaucoup plus facilement porté vers l'étude. Tous les pédagogues vous diront ça dans les écoles. Il y a des très bons professeurs qui suscitent l'enthousiasme dans la classe. Donc, la transformation du professeur aussi transforme les élèves. Une étude qui est conduite là-dessus, qui est financée d'ailleurs par des philanthropes privés, des compagnies pharmaceutiques, parce que qui font de la philanthropie et qui s'intéressent à la science. Et donc, ça, c'est une étude pratique. Aussi, Alan Wallace, qui a fondé le Santa Barbara Institute for Study of Consciousness, donc l'Institut de Santa Barbara en Californie pour l'étude de la conscience,
tout un programme longitudinal, de voir quel est l'effet à long terme de la méditation ou de la concentration. Et une des sujets qu'ils veulent étudier, c'est les enfants qui souffrent, les enfants hyperactifs, donc qui souffrent de défauts d'attention. Donc, est-ce que des techniques simples de méditation, de concentration peuvent les aider? On voudrait étendre ce programme aussi à des prisonniers, aussi bien pour les gardiens de prison que pour les prisonniers eux-mêmes. Il y a des études qui ont été faites justement par la méditation qu'on appelle du Vipassana, c'est-à-dire du calme intérieur et de la vue pénétrante, par le groupe de Goenka, sur des milliers de prisonniers en Inde. Et les résultats sont passionnants. Au bout de 10 jours de ces méditations intensives, simplement sur le calme intérieur, calmer les pensées, observer les sensations. On voyait des scènes où les prisonniers et les gardiens s'embrassaient et ils disaient « comment est-ce qu'on n'a pas fonctionné comme ça auparavant ?» Je veux dire, ça c'est quand même des choses passionnantes. Vu le problème, on se dit on ne sait pas comment résoudre la violence, on ne sait pas comment résoudre la crise, etc. Quand il y a quelque chose qui marche, je veux dire, ça mérite attention tout au moins. Ou de dire « ah non, ça c'est bizarre, c'est religieux, etc. » Voir, examiner la qualité des techniques. Le Vipassana, c'est il n'y a aucune composante religieuse, c'est purement une meilleure connaissance de la façon dont fonctionne l'esprit, une meilleure vigilance et présence d'esprit à l'examen de nos sensations, de nos perceptions, du corps et du fonctionnement du mental, à établir un calme intérieur et une vision pénétrante quant à la nature de notre esprit. Bon, ça n'a aucune religiosité, c'est une technique. Et alors, les résultats sont probants. Donc il y a toute une gamme d'approches qui sont tout à fait pratiques et qui peuvent se répercuter dans l'éducation, dans le traitement de certaines pathologies, dans l'amélioration des relations humaines, de l'équilibre émotionnel en général. Donc, il y a beaucoup de choses où on a tout à y gagner d'essayer d'exploiter le potentiel de ces techniques. Pourquoi les bouddhistes ont autant d'intérêt à participer à la recherche scientifique? D'abord, le bouddhisme est une science expérimentale de l'esprit. C'est vraiment une investigation de la nature de l'esprit, des phénomènes de pensée, des émotions. Ça a toujours été ça. Donc là, si on peut combiner ça à des moyens d'étude modernes, qui permettent de voir effectivement ce qui se passe dans le cerveau, ça ne veut pas dire qu'on a résolu le problème de la conscience. Ça, c'est une autre question. Est-ce que la conscience est 100% de cerveau ou pas? Pour l'instant, essayons d'étudier qu'est-ce qui se passe quand on entraîne l'esprit déjà. Si effectivement ces études révèlent de façon très robuste que l'entraînement de l'esprit fait une différence, je crois que c'est là la contribution majeure que le bouddhisme peut apporter à la société en retirant l'étiquette du bouddhisme et de la religion, de la spiritualité. L'entraînement de l'esprit est une composante fondamentale de notre existence. Et c'est le sens de la méditation. En tibétain, méditation, ça veut dire familiarisation. Ça veut dire cultiver. On cultive une nouvelle manière d'être. Et cultiver une nouvelle manière d'être, ça peut se faire qu'en gérant les pensées instant par instant. C'est comme ça qu'on va transformer nos émotions, nos humeurs et notre tempérament, en fin de compte. La neuroplasticité, c'est l'accumulation d'instants. Donc si à chaque instant, on sait gérer nos émotions et préserver une certaine qualité, c'est comme ça que peu à peu, au bout d'un mois, deux mois, trois mois, le cerveau va changer. Donc l'idée, c'est de réhabiliter la notion, ou de mettre en valeur l'importance de l'entraînement de l'esprit. Parce que nous pensons, le bouddhisme pense que c'est un élément fondamental de la qualité de l'existence. Et qu'on a fortement tendance à le négliger. On est prêt à aller à l'école pendant 15 ans, à avoir une formation professionnelle, hein, pour apprendre une masse de connaissances et d'informations considérables. On est prêt à faire de la gymnastique, c'est pas très amusant de courir pendant 2-3 km. On se dit, ah, je vais être en meilleure santé. Si on se fait faire un lifting, on se dit, je vais être plus beau. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne se dit pas, je vais être un meilleur être humain? Alors là, c'est plus de la gymnastique extérieure, c'est plus simplement d'étudier dans les livres, c'est de transformer la façon dont fonctionne son esprit. Et c'est ça, la méditation. Il faut commencer par se transformer soi-même, par mieux comprendre comment fonctionne notre esprit, par devenir un meilleur être humain. Et comme on dit très souvent à Saint-Étienne Dalai Lama,
Si soi-même on acquiert une certaine harmonie, une certaine paix intérieure, une certaine joie de vivre, et qu'on sait développer la tendresse, l'amour altruiste, la compassion, on aura de la compassion, de l'amour envers nos enfants. Et on se dit toujours, comment éduquer nos enfants, comment faire, qu'est-ce que le bouddhisme a à dire à propos de l'éducation? Et ça s'intègre toujours, la tendresse, manifester de la tendresse, il n'y a que ça qui peut faire du bien à l'enfant. Donc s'il y a déjà une famille dans laquelle l'altruisme, l'amour réciproque définit l'atmosphère de la famille. Et comme il dit, une famille, 10 familles, 100 familles, 1000 familles, la société. Donc la transformation de la société ne peut passer que par la transformation de soi. La transformation de soi est un travail de transformation intérieure. C'est ça le but de l'entraînement de l'esprit, c'est ça le but de la méditation. Thank you.